Ce live est possible grâce bien sûr au programme EA Creator Network qui m'ont gracieusement offert une clé pour pouvoir jouer et découvrir et vous présenter le nouveau game pack qui s'appelle Mariage et qui sortira donc le 23 à la semaine prochaine. Sachant que ce que vous allez voir dans le gameplay ne va peut-être pas refléter la réalité de ce que vous aurez parce que ils nous ont bien précisé que ça pouvait encore changer d'ici la sortie officielle, qu'il allait y avoir des choses peut-être. C'est un peu comme Via la Campagne quand je l'avais eu en version test. Je devais le dire parce qu'il y avait des choses qui allaient peut-être changer et ils ont changé quelques petites choses. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. On va aller à Tartosa, je pense. Puis comme ça, on va découvrir la map, même si pour beaucoup, on l'a déjà vu avec le live stream des Sims. C'est une inspiration méditerranéenne pour cette map. Et je pense que c'est méditerranéen entre Italie et France en vrai, parce que... alors certes c'est trop cher, mais normalement il y a un foyer et le nom de famille c'est Laurent. Donc, on peut aller habiter ici, Rifugio dei Pirati. Ou cette petite bicoque ici, la Piccola Luce. On se met ici? Allez. Oh, nous voilà! Qu'est-ce qu'on est beau! Regardez mes petits boujoux, boujoux, boujoux. Bon, ça, Jamie, ça lui ressemble absolument pas, mais j'avais pas eu le temps de le faire, alors j'ai vite fait un chat. Alors que Titi, c'est vraiment plus sa tête. Hein. c'est tellement lui. C'est tellement lui. Oh, oh, elle est trop belle, la petite maison. Elle est trop sympa. Ah oui, c'est vraiment un petit machin, rien que pour nous, quoi. Elle est trop mignonne. Donc ça, c'est les clôtures et tout ça qu'on a vu hier, qu'on a découvert. Ouh. Ah non, pitié, pas ça les Sims. Arrêtez, déjà que j'ai du mal avec les tapis que j'embarque à chaque fois. Si maintenant vous faites les chaises qu'on peut bouger comme ça, je vais pas être contente. C'est-à-dire que je vais choper des chaises toutes les 2 secondes et ça va vraiment m'énerver. Les Sims, ils font des trucs bien, mais au final, moi, ça me va pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc dans cette... Oh là là, oh le lit. Oh là là, bon, alors l'intérieur... L'intérieur est à revoir, hein, les enfants, c'est un petit peu... Beaucoup, beaucoup, beaucoup simple, mais on vit dans la simplicité. Hein, presque dans la pauvreté, parce que nous sommes absolument pas riches du tout. On a une deuxième chambre. Petite cuisine, petit salon. Bon, bah, c'est vraiment beaucoup du jeu de base. Hein. C'est-à-dire que là, il y a le paquet sur l'extérieur. Il y a quelques petits éléments du kit, enfin, du pack comme ça, comme là. Il y a quoi? Il y a les petites chaises ici. Mais il n'y a pas grand-chose, en vrai. C'est que du jeu de base. Hein. Mais il y a les fenêtres. En fait, c'est vraiment l'extérieur qui est mignon, quoi. Alors, on va se mettre des sous, quand même, pour pas déconner. Parce que j'ai des litières à acheter, hein, et de la bouffe pour chat. Donc, ouais, je change le lit, hein, il est pourri. Hein. Je suis désolée, les Sims, mais... Moi, je tiens à mon dos, avoir un confort agréable. Ah, vas-y, on va mettre celui-là de campagne. Oh, mon petit il s'est en train de s'étendre les patounes. Non, Marcel, non. Non, tu... Non. Ben non, il faut pas déconner, non, Dio. Je peux acheter un beau lit pour rien faire, tu dors là, hein. Ah bon, j'ai mis amis tous, moi. J'ai mis ça... Oh putain. Oh, le calbut. Oh, le caleçon en flamme, j'en peux plus. Mon Dieu. Sexy. Oh mon Dieu. Il faut exactement la même chose. Bon, maintenant, Jamie n'est plus aussi petit. Hein. Mais bon. Il est toujours aussi con, par contre. Non! Oh, Titi! C'est surtout si je lui gueule dessus. Il va croire que c'est vraiment dans la vraie vie que je lui gueule dessus. Il va pas être content. Bon, on va attendre qu'il fasse ce jour. Je vais aller me coucher. Oh là là! C'est vrai que j'ai pas encore regardé le paysage, mais... Oh, mais cette eau qui étincelle déjà. Ah, le phare! Ah, on est vraiment tranquille ici, hein. Ah, ça, c'est moi dans toute ma sexitude. Hein. Là, le pyjama, c'est on ne peut plus vrai. Petite journée sous la pluie. Mais oui, l'eau, elle est incroyable. Hein. Les bleus clairs, on n'avait pas ça encore. Hein. Ouais, c'est très très joli. Ok. Bah, c'est une blague. C'est pas vrai, moi, je casse pas mes toilettes dès que je les utilise. C'est une illusion d'optique, d'accord? Mais c'est... Ah non, c'est moi qui piège les chiottes! Mais pourquoi je piège les chiottes? Deux de malice et je piège les chiottes, moi, tranquille. Regardez, mais Tyrion, c'est un thug. Tyrion, le thug. Maintenant, il grimpe sur le frigo. Mais c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Comité d'accueil. Ah mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir. Bonjour, plutôt. Qui c'est qui vient de bon matin? Hilary Laurent. D'accord, c'est un peu bizarre comme nom. Et Arnessa Thib.
Teb. Et puis, Martial est tout en décomplexitude à fond parce que monsieur ouvre la porte alors qu'il en calbute, quoi. Tout va bien. Bon, on va se présenter. Qu'est-ce que c'est que ça, ragot? Pourquoi y a... C'est quoi ce logo? On dirait des raisins. Les ragots totalement inédits. Tout le monde sait qu'ici, les vagues sont lumineuses la nuit. On dit même que cette étrange lumière attirerait les pirates perdus. Mais les plages réservent encore plus de surprises si tu examines attentivement le rivage. Tu trouveras parfois un message dans une bouteille. La marée en amène assez régulièrement. Ah, mais ça c'est la nouvelle collection du coup qu'on a vue un peu hier dans le debug parce qu'on a triché un petit peu. Sais-tu qu'il y a un terrain de jeu tout près de la ville et c'est l'endroit idéal pour les enfants? Ouf. Et on est sur le thème des pirates, bien sûr. Vu notre histoire, mon mari vient d'une famille d'aventuriers, tu sais? Non? Qu'est-ce que c'est, ça? Mais qui êtes-vous? Oh! La petite boutonnière, monsieur. Hector Laurent, d'accord. Bonjour, Hector. Comment ça va, Hector? Ça mousse, Hector? Lui, il s'invite, hein. Il frappe pas, rien à foutre. Il dit, ouais, bon, moi, ma femme, elle est là. Sa femme ou sa fille, j'en sais rien. Et il rentre, annoncer ceux de sa femme. Cela me fait plaisir que nous ayons pu discuter. Oui. Écoutez, on se fera un barbecue à l'occasion. Et Martial qui ne s'habille pas. On va aller se regarder ce qui se passe comme ça. Ah ouais, donc... ce sera pas plus mal parce que là, on va mettre 10 ans à marcher. Mais c'est très mignon, le petit quartier. Proximité, tout ça. Ah, regardez, il y a même... ils ont même fait derrière avec le cale-poubelle et tout à l'arrière. Les fausses boutiques, les faux trucs. Ah, les boutiques de costumes et de robes de mariée. Et c'est vraiment les robes qu'on a avec le pack. Ça, c'est trop drôle. J'avais pas fait attention. Là, c'est les gâtales. On dirait des coussins. C'est un gâteau en forme de coussin. Il y a la pièce montée avec des roses. Il y a des petits cupcakes et une pièce montée comme ça. D'accord. Ok. On ira goûter les gâtales. Ah, ça, c'est quoi? Ah, c'est juste un truc de bouffe, ça? Apparemment. Ce sera juste un petit shop de bouffe. Ah, c'est trop mignon. J'aime bien. Ils ont bien fait... ils ont très bien fait le côté petit village. Ça, c'est la mairie. Se marier avec, utiliser les toilettes. Ah, c'est intéressant. La mairie nous ouvre ses toilettes. Ok, ça, c'est fake. Là, c'est... encore de la bouffe. Brioche vapeur, carpe et tout ça, canard rôti, aubergine. Ok, d'accord, très bien. Et après, on revient ici. Oh! La plage. Bon, il pleut. Mais c'est sympa. C'est la plage abandonnée. Coquillages et crustacés. Ah là là, avec les fondations, c'est beaucoup trop joli, ça. Enfin, vraiment, j'avais pas vu, en fait. Oh, c'est beau. Ouais, déjà, on a les barques ici. On a d'autres petits bateaux ici, sur le... port. On peut y aller en plus, c'est ça qui est beau. Et ça, c'est... ah oui, on a un petit chemin pour aller au phare. Et on peut aller au phare? On peut pas aller au phare. On peut pas faire crac crac dans le phare. On peut pas se leurrer, c'est très joli. Hein. Même s'il pleut, ça reste très bon. Oh, y a une petite crique ici, vous pensez qu'on peut venir? Non, on peut pas. Oh, mais non, moi je voulais venir ici me nager. Oui, je me nage, moi, c'est comme ça. Ouais, c'est pas accessible, là, c'est trop loin. Ok. Mais on peut nager jusque-là. Jusque-là, on peut pas dépasser le port pour nager. C'est toujours ça. Hein. Et ça, c'est la place. Avec la fontaine. Et donc le marchand de fleurs. Toi, tu vas aller m'acheter des fleurs. Ah! Ah! Alors, qu'est-ce que tu vas m'acheter? Tu vas m'acheter une rose, c'est logique. Une rose rouge. Oh, un oiseau de paradis, parce que grâce à moi, tu vis... un conte éveillé, hein, bien sûr. Un crocus, parce que tu en croques pour moi, évidemment. Donc ça, c'est dans le décor. On peut aller... va falloir qu'on s'achète des vélos, parce que c'est grand, quand même, ces conneries. D'accord, on est aussi derrière, ici. On a une petite maison, là. Bien sûr, c'est du décor. Petite maisonnette, ici, aussi, qui est du décor. Ok. Et là, on a la grosse maison de chez les Laurent. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Ah ouais, bah ça va, tranquille. Alors c'est pas une maison qu'ils ont, c'est un manoir, quoi. C'est... manoir du sud. Ah non, pas les plans d'action. Amour pour tous. Bah super. Alors là, quel plaisir. On n'a pas regardé ici. Ah, c'est ici pour la réception. C'est ici qu'on peut fêter le mariage. C'est pas très beau.
C'est un bar à cocktail? Ok. Mais je trouve ça pas très... Oh, un petit labyrinthe! Trop drôle, tu... Pouf! C'est censé représenter un truc ou non? Et ça, c'est le terrain qui est juste la plage. Et ça, on peut faire ce qu'on veut. On peut construire ce qu'on veut. Je crois qu'il fait 40 sur 20. Ok, bah écoutez, c'est sympa ici. Hein. On a fait... Non, on n'a pas fait le tour de la map, en vrai, parce qu'il y a la cascade. Et la cascade, on n'y est pas du tout. On va attendre qu'il fasse beau hein, pour que tu me demandes en mariage. Alors, cadeau romantique, tu vas commencer à me dire que tu en croques pour moi, évidemment. Oh, tu en croques pour moi, hein, merci mon chéri. Oh, on peut rigoler, non? Mais d'où je t'offre une rose, wesh? Moi, je sais pas où... Je la sors d'où, ma rose, moi? Shirley a offert à Martial un cadeau accompagné d'un message d'amour. Je serai toujours là pour toi, chaque jour. Mon amour pour toi continuera de grandir pour toujours. Écoute, de rien, hein, Martial. Ça vient du cœur. Hein. Mais c'est pas vrai, mais... Mais il est chiant, mais pourquoi il arrête pas d'aller? Et je peux rien dire. Allez, tu vas m'offrir un autre cadeau. Ah, non, tu vas raconter des ragots. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de grappe de raisin, je sais pas trop. Il y a très longtemps, un charpentier de marine locale a réalisé une sculpture de la princesse Cordelia et de son amoureux pirate Rodrigo de Pablo sur la proue d'un bateau. Quand le bateau a coulé... Ouais, c'est bon, oh. T'as qu'à nettoyer aussi. Quand le bateau a coulé, ceux qui se souvenaient de leur amour ont amené... La figure de proue en haut de la colline près des chutes du refuge en guise de souvenir. Une année a passé et des feuilles et des branches ont commencé à pousser sur la sculpture comme par magie. Un signe que leur amour a continué à vivre malgré la mort de Rodrigo. C'est pas le gros arbre là dont on parle. Aujourd'hui vous pouvez aller voir cet arbre. Et c'est ça, et vous pouvez aller voir cet arbre si votre cœur est pur. Un peu de cette magie de l'amour déteindra sur vous. C'est le gros arbre avec, on voyait les comme des bras enlacés, tout ça, vous savez, qu'on a vu hier dans le debug, dans le trailer, ils ont fait, voilà, exactement, et ben c'est ça, ok, très bien, bon, on commence déjà à apprendre des choses, Martial il est fatigué, il en a marre, il va se coucher, allez, moi aussi je vais me pioter, demain est un autre jour, 1h du mat, ça va, et là il fait enfin beau, on peut enfin profiter aussi des couleurs, quoi. Imaginez, on habiterait là. Moi, je veux qu'on habite comme ça, Martial. Trouve une île chez toi, là. Avec un petit bout de plage, là, c'est pas grave, tu vois. On n'a pas besoin de beaucoup, hein. Allez, on bouge. On va aller voir l'autre côté. Donc là, on a vu ici. Ah oui, en plus, on voit même la petite maison qu'on... Et donc, on va pouvoir aller par là, maintenant. Et oui, il est l'arbre, en fait. Je vois même pas où il est. Au secours, c'est la Roumanie. Ceux qui savent, savent. Ah oui, là. Ah oui, d'accord, ok. Effectivement, ouais. Ça a l'air d'être celui-là, il a un gros tronc. Voilà, et pyjama, là. C'est très sexy, tiens. Habille-toi peut-être un peu, non? Un petit peu. Juste un petit peu. Oh, mais qu'il est beau. Ah tiens, je vais le flatter. Ouais, je vais le flatter parce que j'aime bien ça. Parce que je suis toujours en train de le flatter, moi, celui-là. Il aime pas, en plus. Ça, c'est réglé. Alors... Nouveau quartier. Comment? Mais c'est... Alors, je voulais voir le coin-coin. Oh, c'est joli, ouais, donc l'arbre est là. Ah, c'est vachement plus beau ici ou c'est moi? Avec les montagnes et tout là. Je suis fan, j'aime beaucoup. C'est très joli comme décor. C'est tout. Cette eau incroyable. C'est très beau par ici. Quoi, on peut pas aller par là? Mais je voulais aller à la plage. Oh, vas-y, je suis déjà frustrée. Les Sims, ça va pas, je suis déjà frustrée. Moi, j'ai besoin d'aller à la plage. Bon, il y a un petit bout de plage ici, mais qui... D'accord. Ben non, on peut pas, en fait. Ok, on peut pas. Très bien, très bien. Là, c'est bloqué. Ok, très bien. C'est triste, hein. On voit le monde, il est tout beau, tout comme il faut. Et on peut pas y aller. Des signes. Cette eau, elle est incroyable. Très belle eau. Sans aucune pollution. Ce qui ne ressemble absolument pas à la France. Ah, voilà, ça. C'est ce qu'ils nous ont montré pendant le live. C'est une place avec des olisanos. De mariage. Avec une petite allée comme ça.
pourquoi c'est un cul-de-sac, c'est un peu bizarre. Mais c'est mignon, hein, c'est vrai que c'est joli. Ça, c'est le lieu de réception de mariage. Ah non, c'est une... Pas du tout, c'est une maison. C'est ce qu'on... Ouais, je pense que c'est celle qu'ils ont utilisée... Ouais, celle qu'ils ont utilisée pour le stream, pour nous présenter le pack. C'est ici le lieu du mariage, ok. Est-ce que ça va me plaire, ça? Oh, c'est pas terrible, hein. Bah, y a pas assez de place, hein. Va falloir rajouter des chaises. Et puis des tables aussi. Bon, on verra ça quand on y sera. De toute façon, merci à Lou. Il va faire sa demande. Mais là, pour l'instant, je regarde le monde. On a quand même l'amour qui a baissé un petit peu. C'est triste, hein. Ça y est, c'est le déclin déjà. On n'est pas encore mariés, que c'est déjà le déclin de notre relation. Ah, alors, on va aller ici. On va faire le petit chemin. Le petit chemin. Tac, 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 tac. La cascade. Oh, il y a quelqu'un qui se baigne. Donc ça, c'est vraiment une plage qu'on pourra utiliser, ouais. Ça, c'est l'autre petite maison qu'on aurait pu habiter. La cascade. Un petit pont de bois qui passe au-dessus. Ah, j'allais dire, c'est pas praticable. Mais si, en fait, ça va. Et puis... Après, on redescend par là. Et là, on accède à la plage, du coup. Petite playa. Petit coin de pique-nique. Et le fameux arbre. Bah, viens discuter ici. C'est moi ou j'ai l'impression de voir quelqu'un qui fait comme un dab. Je sais pas le faire. Martialoux. Attendez. Il va m'offrir encore un cadal. Tu vas m'offrir un oiseau de paradis parce que avec moi, c'est le paradis, hein. Et moi, je t'offre forcément une rose en retour parce que je suis très sympa. Et que j'ai une collection de roses cachées dans ma jupe. Je dirais pas où, mais... Ça pique, oui. Charlie a offert à Martial un cadeau accompagné d'un charmant message. Mon cœur fond quand je te vois. Je t'aime de plus en plus chaque jour. Et mon cœur qui fond et mon cul qui soigne, dis donc. Hé, hein, ça, c'est beau, ça, c'est romantique. Hein. Et ensuite, une rose, sachant que t'en as trois sur toi. On peut faire un élevage. Oh, c'est beau. Et hop, je vais lui offrir une rose, c'est ça. Charlie a offert à Martial un cadeau accompagné d'un message romantique. Tu es mon cœur, mon âme, mon trésor. Mon aujourd'hui, mon demain, mon éternité. Tu es tout pour moi. Mais ça, je te l'ai déjà dit. Tiens, on va, tu vas m'embrasser les mains. Tu vas vérifier si ma manucure, elle est belle. Bon, aujourd'hui, elle est pas terrible. Ah, vas-y, tu vas me demander en mariage. Excusez-moi, il faut que je fasse des screens. Ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie. Que maintenant qu'il m'aura demandé en mariage... C'est bon, hein. On commence tout de suite les préparatifs. Hein. Vous êtes prêts, hein? OMG, hein. Moi, je suis pas prête, par contre. Regardez, je suis étonnée. Oh, mon Dieu. C'est pas vrai. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Ça fait très... Oui, bah, il faut bien que je fasse des screens, hein. C'est un moment incroyable, hein. Comme même. Vous savez bien que ça m'arrivera plus jamais. Oh, quel est beau mon Martialoux. Un genoux. Un genoux, le Martialoux. En plus, ça rime. Oh, c'est beau. C'est joli. Est-ce que je vais dire oui? Alors, Yebs? Oh, Yebs? Ça, c'est un petit bisouille. Un petit bisouille de la mûre. Wow. La blague est valide. C'est de toute beauté. Vous êtes bêtes. Elle a dit oui. Vive l'amour. Mariage, Love Hotel. 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 Ce spam incroyable. Oula, alors ça dans la vraie vie, c'est pas possible. Là, je l'écrase littéralement. C'est de toute beauté. Ouais. Est-ce que j'ai une culotte d'ailleurs? C'est de toute beauté. Oh, regardez comme il est tout frêle. Vous êtes bêtes. Wow.
C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. On est fiancés, on est fiancés. Ben maintenant, allez hop, on a organisé le mariage.